Hier c'était le 1er mai, donc le saccage prévu de notre pays, puisque c'est devenu normal de faire ça, de foutre le feu au commerce, de se battre avec la police, parce que certains d'entre nous pensent que les policiers sont des gens venus d'ailleurs, ne sont pas des clients à certains moments, des aidants des Français au sens général, au même titre que tous les autres. Donc il y a des gens qui se sont dit qu'il fallait tuer les policiers, personne ne les décourage de le faire, au lieu de rappeler que ce sont des manifestants, on a décidé de les appeler les Black Blocs, leur trouver un nom anglo-saxon, qui nous permet de nous dire que lorsque ces gens-là cassent tout chez nous, que les manifestants, les autres, n'ont pas de responsabilité. Parce que le principe de notre pays depuis une trentaine d'années, c'est de déresponsabiliser tous ceux qui commettent des exactions. À chaque fois qu'il y en a un qui fait un truc, c'est pas de sa faute, il est malade, c'est son voisin, c'est le vent, la pluie. Toutes les manifestations de France sont accompagnées d'incendies, de destruction de l'espace public, du bien commun, de violences faites aux fonctionnaires de police. Et pour déresponsabiliser ceux qui montent ces manifestations, ils ont trouvé un truc, eux, ce sont les Black Blocs. Pourtant, lorsqu'ils ne font pas de manifestations, il n'y a pas de Black Blocs sur la place de la Nation à Paris. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors qui va la choper? Ajoute maurice.usa sur Skype.